En fait, nouvelle la tombée, semble que gagne des négociations qui ont fait en cachette sur ça, les ressources minières d'Haïti. On a parlé de différentes mines qui gagnent dans le pays. Il y a négociations à faire. En fait, organisation, droits humains, justice et solidarité, ils ont demandé explications dans mes pouvoirs en place. Là, concernant pile parole qui a parlé, qui t'a fait quoi que. Conseiller Donald Trump, là, parlant de John Bolton, dans la date qui était 15, 14, 15, dans le mois de février, a négocié, ça a les ressources minière, ressources mines, on parle de mines d'or, différentes mines qui sont dans le pays. Donc, on est grand pile qui trouvait sur l'île de la Tortue, Mont Saint-Nicolas. En fait, négociations ça a été fait au profit de compagnie minière américaine qui relève VSS Mining. Donc, organisation ça, Justice et Solidarité, qui a fait promotion défense droit à monde en Haïti, il prend en considération déclaration, dénonciation faite par des anciens commis de l'État. Autorité actuelle, tout en coup, Déracy, mon Dieu, celle te dénoncé, Yuri la tortue dans différents médias. En fait, yo dit, dans la date qui était 14 et 15 février qui se passe là, yo dénoncé une rencontre suspecte qui était faite avec le ministère des Affaires étrangères, ministère haïtien vis-à-vis à l'étranger, en parlant de Edmond Bosschit, avec conseiller sécurité président américain John Bolton. En fait, rencontre ça, si, yo t'a discuté origine de vente, on vient dit vente, de ressources minières, différentes mines que nous avons qui trouvaient au nord, Mont Saint-Nicolas, dans le nord-ouest. En fait, discussion ça a été faite sans respect pour normes légales qui gagnent en matière de mines. Organisation, ça voulait rappeler que, et pour tout le monde, que Haïti, non, on n'a pas parlé là, pas de notre espoir encore. Tout espoir, nous, c'est sous mine ça, que nous pensons qu'il est capable de refaire santé économique, nous. Qui capable peut-être créer conditions pour moun capable de vivre tant que moun dans le pays. OK? Sénateur Thibodeau, qui t'a parlé sous cause ça tout, lui, clairement, fait comprendre que le gouvernement américain a profité de volonté aveugle du président Jovenel Moïse, tout le monde connaît ces derniers jours qui ont difficulté et qui a fait tout coup mal taille avec Américain pour capable de sous pouvoir. Donc, maintenant, c'est dans ce sens qu'il a fait négociation ça. En fait, je dis que donner au monde que négociation a fait pour Mignot, c'est pour un petit monnaie. L'un des petits monnaies par rapport à les codes qui gagnent. En fait, pour une somme de 500 millions de dollars sous 3 ans. Alors que, ma répété pour nous, analyse montre que ressources minières, ça a représenté 180 milliards de dollars. Regardez bien, oui? 180 milliards de dollars sous 25 ans. Donc, Jovenel, pour attirer la bonté, la protection des Américains, qui a essayé bail ressources simplement pour 500 millions de dollars. Donc, ça a été un véritable coup dur. Organisation rappelé que l'information qui rapportée par des pouvoirs, par membres du pouvoir, etc., mais confirmé tout par des séries de journalistes que tout le monde connaît sous béton, qui sont notoires, indépendants, tant que Ronnie Delva Toussaint, qui travaille lui-même tout dans l'organisation qui défend le monde. Donc, il dit que nous pas qu'à une importance avec information ça yo. OK, dans le moment que nous connaissons peuple haïtien a été engagé dans la semaine qui se passait dans des mouvements levé campé parce que situation difficile pour eux qui ont insécurité alimentaire aiguë, situation économique difficile dans tout le pays qui a traversé, qui ses conséquences mauvaise gestion de l'État, conséquences de corruption, l'ensemble de bagarre qui fait. Maintenant, demandez pour qui ça pouvoir en place là. Et vle, dernier ça que nous avons gagné, dernier repas nous, dernier repas que nous avons pour nous relever figure nous qui servons sous minière, nous avons voulu bali dans petit bout de monnaie ça. Donc, nous pensons que nous avons un cri d'alarme qui pour lancer vous dit non, ressources minières, nous n'avons pas qu'à bailler comme ça. C'est ça que nous avons, nous n'avons pas rien encore. Donc, occasion arrivée pour nous rappeler décideur décideurs, à tout poste qui gagne dans le pays, il y a obligation que vous faites. Pour qu'effectivement, il y ait une transparence qui a fait, il y a parlé de ressources minières à Haïti, pour conformer aux normes constitutionnelles que la loi a mandé, notamment, pas bien que nous parlions de Gomba ou aller, procédure en triple droit international, par exemple, négociation, signature, ratification. Sans bagage ça, aucun État, aucun président, pas qu'à en y rentrer son territoire et puis vous dire, on va exploiter. Ok? On y rentrer, on va exploiter. Ok? Donc, nous pensons que, c'est une donnée importante pour nous attirer l'attention. Tout le monde, dans le moment où le pays a fait crise, vous dit, oh là, attention,
Et ça nous était, à nous bien dire, estimation pour le monde capitaine, c'est 180 milliards de dollars. Donc, ce bagage qui concerne tout le monde, que de quel que soit clan côté, ya, en fait, il est important pour nous relever en moins dans ce sens ça pour dire, mes amis, c'est ça que nous étions, nous ne pouvons pas vendre ni comme ça parce que le pays a un bon problème. C'est pas, en fait, fun fait. Et attention, tout le monde constate que le pouvoir a une certaine faiblesse, ok, et que nous ne sommes pas d'accord pour raison que pour pouvoir ça a été en place pour nous vraiment fait cadeau. 500 millions de dollars, on va à Kika. Ou qu'on fait 180 milliards de dollars sur 25 ans, qu'on a au double le bailli pour 500 millions de dollars. Pas un milliard même. Donc, ce n'est pas possible. Donc, mouvement, j'éclairé concernant mine dans le pays d'Haïti qui est au table vendre pour PI. Donc, c'est dans ce sens ça. Organisation ça qui est l'organisation Justice et Solidarité a lancé un coup de lambi rassemblement. Pour nous dire non, eh bien, mine pays d'Haïti, pas qu'à vendre pour grand merci avec compagnie VSS Mining. Entre temps, on dit qu'il y a un pile, l'autre compagnie tout, parce qu'il y a différentes catégories de mines dans le pays qui gagnent des licences d'exploration. Ça veut dire licences que vous avez pour vous explorer. Donc, nous pensons que tout acteur supposé font coup d'œil sous cause ça, parce que mine, c'est ça que nous étions, nous ne pouvons pas faire comme ça. Donc, dans ce sens, nous dit tout le monde, reconnectez avec nous. Il y a un bouton rouge, cliquez parce que nous, là, pour nous, portez-vous toute information qui a dominé l'actualité. Portez-nous bien.